attendait à voir Dieu venir. Quand il a dit, fais-moi voir ta gloire, il attendait un Dieu qui allait venir avec un bruit fracassant, d'une certaine manière. Parce que chacun de nous a sa petite idée sur comment Dieu va venir. Il va venir dans un songe. Il va faire comme Maman Kwadjane. Il va avoir des visions, des chats vont descendre. Les deux, ils vont attraper le serpent, ils vont couper la tête. Oh. Oh! Oh! Les pensées de notre Dieu ne sont pas nos pensées. Sa façon d'agir, ce n'est pas notre façon d'agir. Mais, comme il est fidèle, son horloge, son chrono est déjà lancé. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. C'est pourquoi nous voulons rappeler à nos âmes, à nos cœurs, ne te plains pas de ce jour, ne te plains pas des circonstances de ta vie, ne te plains pas de l'ami qui a déçu, ne te plains pas du co-ouvrier qui t'a abandonné, qui a lâché au moment où tu avais le plus besoin de lui. Ne te plains pas de ton équipe. Oh, ne te plains pas. Toute ta vie, Dieu la tient entre ses mains. Et ses plans pour toi sont des plans de bonheur. Ses promesses, il les accomplira certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh!
Wow.